Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment être millionnaire? Oui, je sais, tout le monde veut être millionnaire de nos jours. Tout le monde veut être millionnaire. Alors je vais te partager avec toi, je crois que c'est 7 étapes pour pouvoir être millionnaire. Première étape, c'est déjà te poser la question pourquoi tu veux être millionnaire. D'accord, si jamais c'est pour répéter parce que tout le monde dit qu'il veut être millionnaire, toi aussi tu dis moi aussi je veux être millionnaire, le problème c'est que ça va pas fonctionner. Ok, parce que le premier obstacle, tu vas lâcher l'affaire. C'est aussi simple que ça. Ok, pourquoi tu veux être millionnaire? Qu'est-ce que tu feras avec cet argent? Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Si jamais il n'y a rien derrière, c'est juste un chiffre, ça ne va pas fonctionner. Tu vas commencer et après tu vas arrêter parce que le chemin il est long. D'accord? Pour être millionnaire, il va falloir travailler plus que les autres, faire toujours plus que les autres, être dans le challenge, dans le doute, parce que tous les gens autour de toi vont te dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Arrête de travailler, viens, on sort, viens, on va faire un barbecue. » Voilà. Voilà comment ça va se passer. Si jamais tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu ne seras pas focus et tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Donc la base, c'est déjà pourquoi tu veux être millionnaire. Si tu ne sais pas pourquoi tu veux être millionnaire, ce n'est pas la peine. Tu peux arrêter la vidéo, mon gars. Ça ne sert à rien. Ok, de réfléchir à ça. Pour pouvoir être millionnaire, parce que souvent on dit millionnaire pour pouvoir être riche. Mais avec 10 000 euros par mois, tu vis déjà comme un riche. Hein. D'accord, entre 10, 15, 20 000 euros par mois, ça fait quoi? Ça fait 220 000 euros à l'année. On est loin du million là. Hein. Mais je peux te dire qu'avec 15, 20 000 euros par mois, en plus si jamais tu as une business en ligne et que tu t'expatries, tu vis la grande vie. Hein. Tu n'as pas besoin de plus hein, pour pouvoir vivre énormément. Après, je ne sais pas ce que tu veux exactement. C'est sûr, si jamais tu veux vivre à la tour Porsche à Miami, le loyer, il est déjà à 8 000 euros. Donc forcément, bon, bref. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu as compris le message. Il faut que tu saches pourquoi tu veux être millionnaire, la base. Deuxième étape, il faut que tu sois bon dans un domaine choisi pour ne pas dire que tu sois le meilleur. Ok, si jamais tu es coach, consultant, tout ce qui est expertise sur les relations, les finances, immobilier, bourse par exemple, ouais, et bien tout ça, si jamais tu as cette expertise-là, il faut que tu sois bon, d'accord, dedans. Si jamais tu as une expertise d'ailleurs dans ça, j'ai fait une masterclass réservée justement pour vous, d'accord, pour pouvoir vous aider à faire les 10 000 euros par mois rapidement, d'accord. Donc tu as juste à cliquer juste sur le lien juste en dessous, je sais que ça paraît fou, etc., blablabla. Mec, tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Donc, clique sur le lien juste en dessous. Tu verras les stratégies que j'utilise avec mes clients et tu verras si ce n'est pas logique. C'est juste des maths en fait. Autre chose aussi, il faut que tu puisses créer un produit, d'accord? Donc, un bon produit. Okay, donc, tu peux utiliser déjà des produits qui existent déjà et les améliorer. Une fois que tu as ton service ou tu as ton produit, donc tu es coach consultant ou tu as créé un produit que tu vends, donc ça peut être n'importe quoi. Tu peux faire aussi du dropshipping si tu veux. Enfin, tu fais tout ce que tu veux, mais en tout cas, tu vends quelque chose. Ensuite, il faut savoir gérer ton argent. Ça, c'est la base, mon gars. Si tu ne sais pas gérer ton argent déjà de manière personnelle, ne t'imagine pas que quand tu vas avoir plus d'argent, d'accord, en ayant une entreprise qui génère des bénéfices, que tu vas réussir à gérer encore mieux ton argent. Non, c'est clair que si jamais tu ne gères pas bien ton argent dans tes finances personnelles, tu n'y arriveras pas dans ton entreprise. Donc, ou quand tu vas augmenter tes revenus. Donc, important d'apprendre à gérer son argent. Mets 10% de côté, règle tes dettes, ça c'est la base. Quatrième étape pour être millionnaire, se former continuellement. Il n'y a pas de secret. Warren Buffett, il lit tout le temps. Les millionnaires, la moyenne de nombre de livres qu'ils lisent par an, il est de 60. Donc, je pense que là, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on est clair. Cinquièmement, ne cours pas après l'argent. Cours après les besoins du marché. Le marché, ça veut dire les gens qui sont susceptibles d'acheter ton produit. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Règle ce problème-là. En tant qu'entrepreneur, on est des gens qui résout les problèmes des gens. C'est tout. Ou on leur donne plus de confort. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ok, ne cours pas après l'argent. Ah, je veux un million, je veux un million. Non, dis-toi qu'est-ce que mes prospects, qu'est-ce que mon marché veut, quel objectif il veut atteindre, quelle souffrance il a, comment je peux le soulager, comment je peux l'aider. Plus tu vas résoudre le problème des gens, plus tu vas les aider et plus tu vas gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, focus-toi sur les besoins des personnes. Sixièmement, il faut que tu crées ton entreprise. Ça, c'est le chemin le plus rapide. T'as vu, je t'ai pas dit bourse, je t'ai pas dit immobilier. Après, tu peux être trader. Moi, je te dis, le plus rapide, c'est créer son entreprise. Apporte de la valeur et tu auras énormément d'argent qui va revenir en retour. Ok, après, c'est juste des maths. La dernière étape, la septième, c'est juste des maths. Si jamais tu as 10 produits à je ne sais pas combien de fois, il faut le vendre pour faire un million parce que je suis nul en maths, d'accord? J'aurais dû prévoir ça avant, mais voilà, tant pis. Mais tu comprends le principe. Si jamais c'est 1 euro, il va falloir que tu vendes 1 million de fois le produit à 1 euro pour pouvoir faire 1 million.
et après tu seras millionnaire. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, les 6 premières étapes sont essentielles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Clique sur le lien qui sont juste en dessous dans la description pour accéder à toutes mes formations offertes et pouvoir commencer à créer ton business en ligne par exemple. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Déterminé, il y a eux et il y a nous. Qui tu es ?